bienvenue à notre émission de cuisine. Aujourd'hui, nous allons vous cuisiner un plat mexicain authentique, le salsa. Nous avons déjà tout coupé. Ici, on a des poivrons grillés, des oignons et des poivrons hachés, de la coriandre et du tomate. Ok, alors maintenant, on va tout mettre dans le mortier et pilon. Les piments, les oignons et les poivrons. La coriandre et les tomates. Et puis on les écrase. Et maintenant, on le sert avec des croustilles. Yum! Bonjour et bienvenue à notre émission de cuisine. Maintenant, on va vous montrer comment faire les enchiladas. Premièrement, on préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit. Ensuite, on frit les tortillas doucement. On a seulement besoin de les frire pour 3 à 5 secondes. Et on les a déjà toutes faites maintenant. Ensuite, on fait sauter de l'oignon et de l'ail. Voici sur l'élément. Okay. Mais... et de l'ail. On attend jusqu'à ce que c'est complètement cuit et puis on va rajouter du salsa. Mais pas tout de suite. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. Et là, on peut juste comme l'arrêter un peu. Ok, alors là, ça a fini de cuire. On éteint l'élément. Et on rajoute une tasse de salsa. Voilà, on le mélange. Ok, maintenant on prend les tortillas, on les farcit avec du fromage râpé, ici. Et des haricots noirs. Et faibles. On couvre 2/3 de la tortille avec du fromage et des fèves noires. Ok, et là on le roule. Et on le place dans la casserole. Et voilà nos enchilada, prêt à manger. Si. Délicieux. Très. Et on peut les, oui, on peut les servir avec, du guacamole et de la crème sure et plein d'autres choses. Alors, c'est très bon.